J'aimerais vous raconter l'histoire de Victoria. Une histoire qui aurait pu avoir un autre cours. Bonjour, je suis la maman d'Edouard et de Thomas. Ta tante doit se reposer toute seule ce soir. Tu vas dormir ici, tu seras très bien. C'est terminé autrement. Je me dis souvent que peut-être j'aurais pu y changer quelque chose. Tu te souviens pas de moi ? Victoria, on était dans la même école. J'ai dormi dans ta chambre. Et tu m'as reconnue après toutes ces années. Qu'aurais-je pu faire pour Victoria ? Je suis enceinte. Je veux pas avorter. Quoi ? J'ai bien réfléchi. Je veux pas qu'il le sache. Aurais-je dû aller plus fermement contre certaines de ses décisions ? Thomas ? Oui ? C'est Victoria. J'ai un enfant. C'est une petite fille. Elle s'appelle Marie. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé ? T'es en colère ? Tu te dis qu'on te mène pas en bateau. Enfin, t'as pensé aux conséquences si tu reconnais cet enfant ? Il a pas été question d'argent. Victoria, elle est pas comme ça. Ce serait peut-être bien d'abandonner pour cet enfant. Elle est légère, cette petite crème au caramel. Peut-être pas la bonne comparaison. C'est pas tes maîtres, ces gens-là. Il n'y en est pas leurs esclaves. C'est le moment de fêter tout ça? Victoria, que diriez-vous d'envoyer ce petit amour dans une bonne école? Papa a complètement changé d'avis sur l'éducation des enfants.